Bon, je pense que vous l'avez vu aux extraits qui viennent de précéder, il est temps qu'on fasse un petit upgrade de setup. J'ai ici donc deux petits accessoires sympas que je me suis pris pour un peu remodeler mon setup parce que il y a un gros problème. Je vous explique. Vous voyez ça? Oui. Vous voyez bien le HP au Mène 15 et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi ta tour est en bas? Et bien la réponse est très simple, ma tour est en panne. Actuellement, j'attends le retour de mon processeur en espérant que c'était bien causé la panne de mon ordinateur, mais en attendant du coup j'ai le HP au Mène 15. Et quel est le défaut du HP au Mène 15? Et bien je vais vous le dire, c'est qu'il n'a que 3 ports USB. Du coup, j'avais la possibilité de brancher mon clavier, ma souris et mon casque, mais à part ça, c'est tout. Pas possibilité de brancher mon micro, ni possibilité de brancher ma caméra en plus de ça. Il me fallait donc un espèce de hub USB. J'ai donc trouvé ce tapis de souris là, qui fait office, un petit peu de hub USB, qui a 3 ports pour relier casque, clavier, ainsi que souris, c'est-à-dire le strict minimum, ce qui me laissera ensuite 2 ports de libre là-dessus pour pouvoir connecter et mon micro et un autre périphérique à côté. Hop. On passe en mode film standard, c'est plutôt pratique. Alors, as you can see, the tapis is just here and is très très grand. And vous pouvez constater par vous-même juste ici qu'il y a un hub USB. Alors, on va s'asseoir. On va sortir tout ça, évidemment. Hop là, excusez-moi pour le cadrage foireux. Alors, donc le tapis est ici. Donc évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le contrôleur dans ce sens-là pour qu'il soit... Oh, motherfucking shit, il est tellement grand, ça va même pas... Ça va même pas rentrer sur mon bureau. What the fuck. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler, celui-là, et puis je vous retrouve tout de suite. Ref, bon, ça a été plus compliqué que prévu, mais voyez par vous-même que j'ai décalé le volant vraiment full sur le côté, que mon HEP est toujours là, et que celui-là est donc parfaitement posé. Donc vous voyez, c'est vraiment énormément grand. Pas qu'il y ait grand-chose d'autre dessus. Alors, on va s'occuper de ce câble, mais pour pouvoir vous filmer ça, je vais me foutre en mode trépied entre mes genoux. Vous allez voir, ça va être un grand moment. Hop là, regardez-moi ça, pas stylé ça. Bon, on fait comme on peut. Je vous avoue, j'essaye de faire ça comme je peux. J'ai pas encore totalement les outils nécessaires, enfin, j'ai pas les outils d'un vidéaste professionnel, ça c'est clair et net, mais ce qui est sûr, c'est que déjà j'ai des outils, contrairement à avant. Donc là, on a, vous pourrez le voir ici, je pense, petit connecteur, des types C, oh bordel, ça bouge. Attendez, hop là, voilà. Donc
là, on a un petit connecteur USB type C qu'on va venir mettre sur le côté et qui va venir donc nous alimenter notre petit tapis de souris. Alors non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas de l'USB type C, c'est du micro USB. Et ça se connecte ici. And we are never gonna run, ta-da-da. Voilà. Là, vous pouvez le constater, c'est enfoncé. On va ensuite faire passer le câble derrière mon écran. Voilà, comme ça, ça se verra même pas, on y verra que du feu. Hop, mon casque, il dégage. Et à partir de là, mesdames et messieurs, veuillez admirer. Hop là, et voilà. Oh, bonjour toi. Alors comme vous pouvez le constater, ça vient de s'allumer. Alors vous avez... évidemment, comme tout bon microcontrôleur qui se respecte. Alors vous avez une molette ici, parce que oui, ce truc est équipé d'un haut-parleur. Vous le voyez ici. Je vous l'entourerai au montage. Ici, vous avez un bouton pour changer les modes, donc on va les regarder tout de suite, évidemment. Ok, ça c'est orange. On voit assez peu la lumière. Bon, après, là, c'est parce que je suis en pleine luminosité pour pouvoir vous filmer ça correctement, mais je vous ferai un petit plan, là, un petit plan de coupe en obscurité. Vert. Ça va, en vrai, les couleurs sont plutôt fidèles. Enfin, vous, à la caméra, vous voyez peut-être pas aussi bien que moi. Mais chez moi, en tout cas, ça rend bien. Alors, le tapis aussi, le défaut que j'avais peur, c'est qu'il plie. Mais en fait, il plie pas du tout. Il est parfaitement plat. Donc ça, c'est nickel. Bleu, foncé, bleu clair, violet, rose, blanc, mais qui vire un peu sur le bleu. Là, je crois qu'on a deux couleurs. Je veux pas dire de conneries. Et là, évidemment, on a le mode RGB qui change de couleur. Et là, on a un mode qui... c'est aussi un mode RGB, visiblement. Mais qui est plus lent. Qui est beaucoup plus lent. Ensuite, ce mode-là qui est le mode rapide. Et ensuite, on revient aux couleurs de base. Ah non. C'est le mode RGB avec la respiration. Bon, c'est du RGB somme toute assez standard, mais... c'est plutôt pas mal, écoutez, hein. On va se remettre en mode RGB, parce que, évidemment, Bibi, il aime ça. Mettre en mode RGB lent. Et là, du coup, vous allez pouvoir admirer par vous-même, je vais claquer des doigts, et le clavier et la souris sont de retour. Hop là! Alors... ça te bagueule ou pas? Moi, je trouve que oui. Bon, il me reste un peu de câble management à faire, mais ça, je m'en occuperai ultérieurement. Mais là, le résultat, je le trouve pas mal. Ce que je vais faire, éventuellement, pour que vous puissiez encore mieux voir... alors là, c'est sûr que vous allez me dire que c'est beau, c'est qu'on va tout allumer directement. Vous connaissez mes périphériques, hein, j'ai pas besoin de vous la présenter, je pense, mais... on va allumer le HP au mannequin. Regardez-moi ça. Ça, ça a de la gueule. Et évidemment, je ne pouvais pas... upgrade mon setup sans forcément prendre un truc en rapport avec le système son, c'est un bras de micro. Parce que oui, mine de rien, ça, ce trépied, c'est bien pratique, sauf que ça prend de la place sur mon bureau. Or, vous l'avez constaté, je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc, je me suis dit, en achetant mon bras de micro, j'ai mis ce produit. J'espère que je vais arriver à l'installer, mais normalement, si j'y arrive, ce sera mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une petite donette. Bah tiens, regardez, je vais là mon micro. Si je veux, regardez, le truc c'est que le transport là un peu aplati. Mais si je l'enlève, on a ça. Alors ça c'est pour, normalement ça sert plus à éviter les bruits de vent qu'à éviter les... C'est plus pour éviter le vent, c'est pas forcément un filtre anti-pop, mais en tout cas l'esthétique est sympa. Je pense que je vais le laisser dessus. Ensuite, on a une espèce de notice emballée à la va-vite, clairement. Ça fait vraiment à la va-vite. Pas très très propre, c'est cool. On a, oh, ça par contre, c'est pas mal. S'il y a ça, c'est vraiment sympa. Ah ouais, pas mal. Un gros filtre anti-pop qu'on peut tourner et modeler un peu comme on veut. Ah, c'est sympa ça. Au moins, je pourrais remplacer le petit filtre anti-pop du 438 par celui-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'araignée. L'araignée. Je fais que des conneries, décidément. Après la Osmo Action, j'arrive pas à ouvrir l'épisode où je fais tout tomber. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Donc là, on a une araignée. Pourquoi une araignée? Eh bien, tout simplement pour mettre le micro dedans. Est-ce que l'Omnia rentre? Je suis pas certain qu'il rentre. Quoique si, il a l'air de rentrer, mais il faut le faire rentrer plus par là. Enfin, dans l'autre sens, à mon sens, je vais essayer de le mettre. Alors là, on a une barre de fixation. Et ici, nous avons le bras. Si on continue en dessous, nous avons... Mais, putain, mais ça sert à jamais. Oh! Alors ça, c'est bien ça. Nous avons d'un coup une petite lumière d'appoint. Alors j'imaginais pas ça comme ça, mais c'est assez stylé. Et donc ça se relie par quoi? C'est une petite télécommande qui va se relier en USB. Et qui va donc me permettre de m'éclairer la gueule. Du coup, par exemple, je serai dans l'obscurité. Plutôt pratique, hein, tout ça. Bon, on va passer à... Je vais essayer de magouiller un peu et de trouver une place au bras de micro. Et je vous retrouve une fois que c'est installé. J'espère que ça va bien se passer. Ah, ah. Je parie que vous y attendiez pas, ça. Alors regardez, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, vous voyez que j'ai vissé le bras derrière la table. Je me suis mis donc en dessous et il fallait visser la base. Bon, ça va, ça a été plutôt easy de faire ça. Ensuite, j'ai dû reculer le bureau pour caler le bras parce que le bras, en fait, il n'est pas complètement droit, regardez. Il part un peu sur l'arrière, du coup là, il est contre le mur, vraiment. Du coup, j'ai dû avancer mon bureau, c'était un peu la merde. Pour monter le bras, ça va, ça a été assez simple. Là, vous voyez, j'ai monté le filtre anti-pop et la lumière sur le côté. Lumière qui, au passage, eh bien, si j'arrive à vous montrer, possède sa petite télécommande. L'allumer ou l'éteindre. Et on peut changer la couleur, regardez. Par exemple, c'est une lumière un peu plus jaune. Là, je la jaunis encore plus. Blanche. Un peu jaune, vraiment jaune. Et là, vous voyez, je suis en train de baisser la luminosité. Et là, je l'augmente. Avec ce bouton. Donc je vous remontre. Power on off. Baisser la luminosité. Changer le mode, augmenter la luminosité.
Ça, c'est plutôt sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça a clairement une toute autre gueule, mon setup, maintenant. Bah écoutez, ce fut sympathique. Moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao !